Alors, le langage JavaScript, c'est un langage dont on entend parler de plus en plus parce qu'il est utilisé dans la majorité des programmes aujourd'hui et surtout sur Internet. Et donc, cette année, je me suis dit, j'ai envie d'apprendre le JavaScript et j'ai décidé donc de m'investir un peu plus dans la partie théorie de JavaScript. Mais je voulais faire cette petite vidéo quand même si Webflow t'intéresse et qu'en même temps, tu voudrais apprendre le JavaScript car le JavaScript est un peu dans plein de choses. Ça peut être dans les effets, mais ça peut être dans le calcul, s'il y a des calculs à faire sur le site. Ça peut être aussi sur d'autres facteurs qui sont invisibles à l'œil nu, mais qui permettent de faire plein de choses derrière. Et donc, dans Webflow, ce que tu peux faire, et comprendre aussi, c'est la partie JavaScript, des effets, donc tout ce qui est animation est créé en JavaScript, tu peux les créer rapidement, facilement, grâce à la plateforme et dans la partie animation de Webflow. Et donc, je voulais te montrer ça pour que déjà tu puisses toucher à ça, voir un peu ce que tu peux faire, car les animations, c'est un peu la base du JavaScript. Et à côté de ça, bien entendu, si tu veux apprendre le JavaScript en théorie, je pense qu'il y a plein d'ouvrages, plein de sites internet. Moi, je vais t'en donner deux ici juste en dessous de la vidéo que moi j'ai décidé d'approfondir également. Donc, n'hésite pas à me donner ton avis là-dessus. Si tu as d'autres sources qui pourraient m'aider à moi aussi apprendre le JavaScript, eh bien, n'hésite pas car c'est vraiment un langage que j'ai envie de comprendre une fois pour toutes. Parce que parfois je copie et je colle des choses, mais sans vraiment comprendre comment ça fonctionne. Ok, donc cette vidéo va te parler de ça. N'hésite pas à me soutenir. Donc si tu aimes cette vidéo et cette chaîne parlent de design, de freelance et de web. Et donc n'hésite pas à donner ton avis, à me dire ce que tu en penses. Aujourd'hui, c'est une petite vue d'ensemble de la partie JavaScript sur Webflow. Donc, sans plus tarder, je te partage mon écran, ça va être beaucoup plus facile. Allez, à tout de suite, c'est parti. Alors, dans ce nouveau projet, je vais de nouveau prendre un exemple qui se trouve dans Showcase. Donc, ici, je remercie Felipe SBZ du Brésil qui nous propose ce projet qui est bien foutu. Regarde un peu l'intro. Hop. C'est joli, très propre, très belle animation. Et donc, on va le cloner, on va le décortiquer, voir un peu la partie JavaScript qui est utilisée. Donc, on va l'appeler JavaScript. Parce que, de nouveau, tu ne vas pas devoir l'écrire toi-même. Donc, on parle vraiment que de l'animation JavaScript. Mais voilà, je l'ai cloné, je le publie, comme ça, je peux directement tester. Hop. Voilà, ça y est, le projet est à moi, je peux en faire ce que je veux. Donc, hop, hop. Joli, franchement, c'est cool. Hop. Alors, donc, pour la partie JavaScript, donc, une fois que le code est fait, tu peux exporter et tu as comme ça toute la partie JavaScript qui est là. Ça, c'est une chose. Donc là, aujourd'hui, je ne vais pas te parler de comment écrire du JavaScript ou comment voilà, vraiment l'utiliser. Je veux juste te montrer que dans Webflow, en fait, tu vas pouvoir créer de l'animation qui va être automatiquement générée en JavaScript sans que tu t'en rendes compte. Mais pour que tu puisses, toi, faire un effet, il faut quand même suivre une certaine logique. Donc, tu vas devoir comprendre déjà la base de ce JavaScript. Pour que bah, tu puisses interagir dedans et adapter les effets de ce que tu veux. Ok, donc je vais retourner ici. Je sais pas pourquoi. Et là, hop, c'était un peu trop vite. Et donc je reprends mon projet. Hop, je vais le republier. Ok, donc tu vois que au démarrage de ce site, il y a une intro. Donc il y a le Verge, The Verge, trois fois, puis les lignes à gauche, hop, puis ça monte. Voilà. Tout ça en fait, c'est du JavaScript en animation et ça se passe ici. Donc il a mis un page load et là tu peux donc gérer les différentes animations. Donc si je veux la prévisualiser, ça se passe comme ça. Ok. Et si je veux en continu, donc là ça va démarrer chaque fois en répétition. Voilà, il va chaque fois recommencer. Ouais, bon, c'est inutile.
Donc, j'ouvre cette fenêtre et qu'est-ce que j'ai? Et voilà, j'ai tous mes effets l'un à la suite de l'autre, milliseconde par milliseconde. Donc, tu peux gérer comme tu veux chaque partie. Donc là, tu vois qu'il apparaît, disparaît 3 fois. Et puis, vient alors ce rectangle à gauche, puis un deuxième, puis un troisième, et puis un hop. Il s'ajoute, il s'accumule, hop, de verge. Et puis, l'un après l'autre, il diminue. Ou voilà. Ok. Et donc là, en fait, tu peux, toi, si tu as envie, tu peux regarder comment il a créé cet effet et y changer quelques éléments. Donc, si tu n'as pas envie de la deuxième couleur, par exemple, ici, on a le blanc, enfin, le rose. Si j'ai pas envie par exemple du mauve, je l'enlève, je l'enlève, je l'enlève et je me retrouve plus qu'avec du rose. Donc là, je peux enlever aussi. Hop. Quand je vais faire play, eh bien, j'aurai un effet qui est différent. Tu vois? Hop. Mais toujours aussi propre. Donc à toi de voir qu'est-ce que tu as envie de garder de cet effet, qu'est-ce que tu peux en créer de plus. Mais ça va te permettre, avec des éléments quand même concrets du JavaScript, genre ici, l'appliquer aux classes, l'appliquer l'interaction à l'élément déclencheur, rajouter ici la particularité de commencer l'effet après un autre, ou en même temps qu'un autre, laisser un délai, customiser le easing, donc la manière dont l'effet va apparaître. Tout ça, ce sont des choses que tu vas pouvoir gérer ici, la durée, la taille, ici. Et donc, en fait, inconsciemment, tu vas interagir sur du JavaScript. Car au final, le code qui est généré là, quand je clique là et que je l'exporte, le code a été adapté avec ce que tu as toi créé ici sur ta droite. Et c'est comme ça pour plein d'autres éléments. Donc là, c'est un effet JavaScript pour load, donc au chargement. Mais il y avait un autre effet que quand je passais ma souris ici sur le texte, il y avait d'autres effets. Donc tu vois l'espèce de ligne qui vient en dessous. Donc ça, en fait, ça vient de... c'est aussi un effet. Donc je vais prendre le bon élément. Voilà, il y a un petit éclair pour te montrer où se trouve l'effet. Et donc là, tu cliques sur l'éclair à droite et en fait, il a créé donc au survol un effet d'un soulignement qui vient de la gauche et qui agrandit vers la droite. Donc de nouveau, c'est quelque chose qui est relativement facile à faire une fois que tu as compris le truc, une fois que tu as compris la logique. Et tu vas pouvoir vraiment jouer avec ça pour plein d'autres choses sur le site. Et oui, en fait, c'est du JavaScript. Et c'est ça que je voulais te montrer aujourd'hui, c'est que dans Webflow, tu peux apprendre le JavaScript. Et c'est quand même pas mal, en tout cas, pour démarrer, débuter un peu dans tout cet univers de code. Donc voilà, j'espère que ça t'a plu. Voilà donc pour la partie JavaScript. Exclusivement pour la partie animation. Donc si tu veux, tu peux aussi bien entendu ajouter du JavaScript manuellement si tu as envie, mais pour ça il faut déjà être plus avancé et pouvoir comprendre un peu le JavaScript. Donc si ça t'intéresse, si tu veux une vidéo là-dessus aussi, n'hésite pas à me dire ça dans les commentaires. Sinon, pour l'animation, c'est relativement simple, mais c'est vrai qu'il y a de nouveau cette logique à comprendre qui est la logique du JavaScript, mais relativement plus simplifiée sur Webflow. Donc tu peux créer des animations plutôt sympas juste en suivant, en ajoutant les délais, les millisecondes et les quelques effets pour avoir quelque chose de sympa, bien foutu. Et en fait, tu crées du JavaScript sans le savoir. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à laisser un commentaire. Et sinon, on se voit demain pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!